Un nouveau jeu vient d'être annoncé dernièrement sur PlayStation VR 2, ça a l'air plutôt prometteur, c'est Arcane Age. On va voir qui est derrière ce studio de développement, on va faire le point, c'est parti. Eh oui, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, ici Herbie, j'espère que tout le monde va bien. Annoncé dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est donc Arcane Age du studio Vitrivius VR qui sortira. Alors, on n'a pas de date précise, c'est marqué Coming Soon, donc très bientôt, 2023-2024. Vous connaissez certainement le studio Vitruvius VR, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de deux jeux sur PlayStation VR 1, mais également sur Steam et Oculus. C'est Merville's VR Adventure, un jeu de plateforme dans un monde ouvert, et Shadow Legend VR. Ces deux jeux ont eu un certain succès, et ils reviennent donc 3 ans plus tard avec un nouveau jeu, mais cette fois-ci sur PlayStation VR 2, c'est Arcane Age. Je ne sais pas vous, mais le trailer donne envie. En tout cas, si on a ce que l'on voit dans le casque et qu'ils utilisent les capacités techniques du PlayStation VR 2, on peut s'attendre à un jeu qui sera vraiment au top. Et au niveau du scénario, en fait, Arcane Age est un jeu d'action-aventure en réalité virtuelle qui se déroule dans le Biochasme, un monde terraformé fantastique créé par le grand arboriste. Prenez part à des combats entièrement basés sur la physique à l'aide d'épées et d'armes infusées d'arcanite et explorez librement les denses environnements assiégés par la corruption neuronale d'Hyperion. Le jeu proposera des combats basés sur la physique, on va pouvoir construire des armes en réalité virtuelle, on aura des avatars virtuels complets, on nous proposera de l'escalade et également de l'exploration, la fabrication du raffinage, bref, ça a l'air assez complet, et on aura également des combats de boss épiques. Mettez toutes vos armes à l'épreuve dans des combats de boss multiphase, personnalisés en réalité virtuelle, et on aura surtout une campagne de plus de 10 heures, qui comprend un mode de combat infini pour une rejouabilité illimitée. Pas de prix annoncé pour le moment, mais vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits sur le PlayStation Store. Et voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette news sur Arcane Age. En tout cas, ça donne envie, ça a l'air plutôt prometteur. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette news vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à laisser un like et de vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, ainsi ne rien louper. On se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles vidéos très bientôt. Et un grand merci à tous pour vous être abonnés dernièrement. Nous sommes déjà plus de 1400. On va essayer de passer la barre des 1500 avant la fin de l'année. En tout cas, ça fait super plaisir. Merci à tous. C'était Herbie pour Arcane Age. À bientôt. Ciao, ciao.